Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est deux jours après l'anniversaire d'Ena. Je lui ai préparé une surprise. On est le jour J et je vais déjà lui annoncer qu'on part quelque part sans rien lui dire de plus. Et au fur et à mesure il va avoir des surprises tout au long de la vidéo. Léna ! Là elle est complètement perdue. Bonjour. Bonjour les gars, là je suis perdue, je suis à l'ouest, je sais pas où on va. Attends, ils savent, les abonnés, tu leur as dit avant la vidéo. Non, ils savent pas. Savent pas non plus. Pour l'instant ils savent rien. Alors attends, bouge pas. Bref. Oh, moi je sais rien, je suis avec mon gars personne. Prépare tes affaires, on se casse. Quoi? Hein? C'est une blague. J'ai pris la valise. Attends, mais c'est bon, tu peux arrêter de filmer. Attends, elle est perdue, elle sait même plus ce qu'elle fait. Comme je suis le meilleur frère du monde, je t'ai préparé une liste avec des idées toutes filles. Ce que tu dois prendre pour rien oublier et tout, pour le faire le plus vite possible. Je suis perdue là, on devait rentrer à 19h, je comprends pas. On dort quelque part. Bah, si je te demande de faire ta valise, on va pas. C'est vrai que je vais t'emmener dans un truc pourri. Non, pas du tout, mais je sais pas où on va, je suis stressée là. Tu me fais stresser, hein. Ouh, vas-y, c'est quoi les autres filles là que je voyais un peu si je trouve des trucs? Short en jean. Ma vie, t'aurais pu me dire, tu vois, je me suis pas rasée. Hein. Oh, seigneur, seigneur, robe paillette et tout. Tu m'as fait une soirée ou quoi, ma vie? Je te laisse avec la caméra, tu fais ta valise et moi je reviens et on se casse. Prends ton passeport. Hein? Ton passeport. Mon passeport? Oui. Passeport là, ma vie, non mais t'es sérieux là? On va à Dubaï, ma vie, à LA. Mais Léna, je crois que je vais te le dire, te bande les yeux, tu sauras pas où je t'emmène. Non mais c'est. Bah dis, prends mon passeport, on va à l'aéroport. Je te bande les yeux si j'ai envie, je te fais souffrir si j'ai envie. Non mais vas-y, je vais avoir la nausée. Alors je pourrais l'enlever des fois, mais juste me mettre comme ça. Oui, ouais. La meuf, c'est la seule chose de quoi elle se préoccupe. Bon, c'est pas tout, mais moi je dois vraiment y aller. C'est avec la nana. Bon courage pour faire ta valise, tu as 30 minutes chrono et après on se casse. Bisous les gars, bon courage, nana. Putain de merde, c'est pas ma valise en plus celle-là. Là du coup les choses sérieuses arrivent. C'est parti, je me bouge le trou des fesses parce qu'il m'a dit j'ai que 30 minutes. Je stresse mort, je sais pas ce qu'il va me faire. Je comprends plus rien. Je sais pas, je suis tendue là, je suis tendax. Et il est marrant, j'ai toutes mes affaires au sale. Je comprends pas son écriture. Veste nuve, mais c'est quoi cette veste nuve? Je comprends pas. Ah, ruve. Veste ruve. C'est un R. Ah, mais les gars, je sais où il peut m'emmener en Espagne. Oulala, mais je sors que mes trucs de soirée. J'ai rien de journée du tout, donc non, il m'en a pas en Espagne. Là, je comprends que dalle. Je comprends plus rien. Ok, maillot. Ah, je peux pas me mettre en maillot, je vais avoir mes règles. Dommage. Je vais prendre le Réjeanne, vu que je vais avoir mes règles. On sait jamais. Faut pas que j'oublie de prendre des culottes de règles et tout. Hein. Les chaussettes, il me faut. J'ai pas mon bal, donc je sais pas s'il fait chaud ou pas, moi. Attendez, il me faut un stylo là, faut que je coche parce que je vais pas m'en sortir. Alors les gars, du coup, short en jean, j'ai top noir, j'ai barrette, j'ai fer à boucler, j'ai pas, sac j'ai pas et mon ordi j'ai pas. Je suis débordée, je sais pas. J'ai ma valise, il y a des robes de soirée dedans. Je sais pas où je vais. Ça se trouve, il me fait faire tout ça pour me faire tourner en bourrique et que ça va pas du tout être ce que je pense. Il m'a pas dit de prendre des trucs genre en mode pour quitter un autre pays. J'ai très peu de trucs quoi. C'est ça qui m'inquiète. Et si on va dans un autre pays, moi, je suis pas dans la mouise. Je sais pas, je prends au feeling là. Genre, je vais quelque part, mais je sais pas où je vais quoi. Ah les gars, du coup, je vais faire ma trousse de toilette. J'ai pas ma salle de bain. Ouf, ma chambre est pas rangée en plus. Donc, je sais pas combien de temps on part. Je vais mettre mon parfum, mon eau micellaire. Je sais vraiment pas quoi prendre. C'est le vide total dans ma tête. Non, je ferai ma mousse à raser, coton, sans peigne. Bon les gars, je suis un peu au bout de ma vie parce que, bah, comme je vous ai dit, 2 heures de retard. Et je suis en panique. Il y a les bouchons, la queue de malade en fait. Donc j'avance littéralement pas. Là, je suis en panique, check. Léna se doute de rien. Bon, pour l'instant, elle pense qu'on va à Paris, à Dubaï ou à Los Angeles. Donc bon, rien à voir. Je demande ce qu'elle est en train de foutre là, Léna. Elle est en train de préparer ses affaires en rush. Elle doit être trop perchée, je la connais quand elle sait pas ce qui lui attend. One eternity later. Bon, du coup, les gars, regardez qui j'ai retrouvé. Lisa, c'est la première fois en caméra pour toi. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher Léna. On va lui bander les yeux. Lisa va aller derrière. On sait pas trop comment on va faire niveau stratégie, mais le but c'est qu'elle ne le sache pas. Bah, pendant 5 minutes, je pense que je vais lui bander les yeux. Comme ça, elle se doute vraiment pas qu'il y a quelqu'un. Donc là, je file. Je laisse Lisa dans la voiture. Je file chercher les valises et on lui bande les yeux. T'es ready? Oh mon dieu, mais. Oui, t'as raison, hein, tu sais pas où on va. Hein. Ça se trouve, on se casse au bout du monde à 24 heures d'avion. Bon, les gars, ça y est. Tout est prêt. Non mais là si on va dans un autre pays, je suis comment? Mais toi t'es sérieux? Tu m'as dit de prendre 4 tenues, etc. Fais du shopping sur place ma gueule. Alex il fait chauffer la carte sur place. Ah super. Tu t'assois là avec ton sac et tu m'attends. Non mais qu'est-ce que je ferais pas pour elle les gars? Bon ça y est, alléluia, on touche au bout. Lisa se cache. Lisa va devoir ne pas faire de bruit pendant au moins 10 minutes. Bon courage. Attention, tu triches. Là, je te parle plus de ma vie. J'ai combien de doigts? Je
voir absolument rien avec ça, monsieur. Regardez là, bon, j'allais se débrouiller un peu. Oh, mais attends, attends. Attends, je vois plus rien, moi non plus. Léna, regardez là, elle veut partir toute seule, mais j'en peux plus, elle sait pas se poser 3 secondes. Tu peux attendre l'oiseau là? Je connais la maison. Bah, MDR, vas-y, bah débrouille-toi. Vas-y, une marche, une autre. Bon, c'est bon, t'es prête, allez, on y va. Bisous, maman, je sais pas où t'es. Bisous, Adam, je sais pas quand. Je t'aime. T'as une marche, bientôt. Vas-y, allez, Léna, s'il te plaît, allez. S'il te plaît, enfin, vite. Vas-y, y a la voiture. Viens, fais confiance ou pas. Là, faut qu'on y aille, on va être en retard, donc tu viens. Allez. Même pour la vidéo, dans la voiture, je voyais quelque chose, mais là, je vois rien. Allez, mais on dirait une mamie, s'il te plaît, ma vie. Mais ma vie, tu me comptes les yeux, là. J'arrive pas à avancer, moi. Je vais où, là? Elle est où ta voiture? Ça bah, fait combien de elle est tout droit, allez, ça fait 2 minutes. Si toi, attention ta tête, attention ta tête. Je suis sympa quand même, j'aurais pu ne pas lui dire. Bon les gars, elle a toujours les yeux fermés. Là on est au rond-point du McDo. Non mais les gars, je vous jure, je lui ai rien dit. Là on va sur le tour. Et t'amuses pas à faire un autre tour de rond-point, ça sert strictement à rien. Parce que je reconnaîtrais la route quoi qu'il en soit. Pronostic, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Tu m'as parlé de passeport, donc là je suis perdue. Au début je pensais qu'il allait m'emmener à Monaco. Mais là, elle dit passeport, je sais pas. Je sais pas du tout, parce qu'avec ce Covid c'est compliqué, donc je comprends pas. Je pense pas qu'on va prendre l'avion en vrai. Parce que si on aurait eu un vol à prendre, on serait déjà bien à la bourre là, on l'aurait déjà raté. T'as dit où tu vas là? Là je connais pas la route, tu vas au ciné. Là il est au ciné, il est au ciné. Je sais qu'il est allé au ciné, je reconnais le petit truc du portail, ma vie. Pourquoi t'es au ciné garé sur la place à côté du souterrain? Ma vie, je traîne tout le temps là, hein. C'est quoi? Attends. Non mais je t'ai pas dit, regarde ça. Ah merde. Mais de toute façon je savais qu'on était au ciné. Bah alors tu peux ouvrir. Oui, on fait quoi là? On fait quoi là? C'est quoi, on fait quoi là? Au ciné. Je t'ai privatisé une salle de ciné, ma vie. Voir quoi comme film? Un film que t'adores. On va voir After non. Au ciné. Non, tu vois la série Emily in Paris? Non. Tu connais Design Monaco? Je connais pas. T'es sûr? Non, je connais pas. Ferme les yeux, je prends un truc. Il va me prendre là, j'ai peur. Tiens ma vie déjà. Ah, happy birthday. Merci ma vie. J'ai un petit bouquet de roses. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Ah. Lisa. Ça t'en fait pas réel. Ami. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, 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 Monaco. Oh, Monaco. T'es réel là? Tu savais tout toi. Mais oui. Mais what the... Je comprends rien là. T'es dit que j'étais en cours là, que je captais pas. Alors. Mais attends, c'est une blague? T'étais là depuis tout à l'heure? Oui. Ah, ils sont où les abonnés? Merci. Ils sont là les abonnés. Bon allez, mais on se casse parce qu'on est hyper en retard. Je vais tout expliquer sur la route. Ah oui, tu t'attendais à tout sauf à me voir. Ah mais totalement là. Mais t'es trop fort. Ah. Oh mon dieu. Juste, on en parle de cette malade mentale qui connaît toute la route. Ouais, non mais la blague d'égout, elle a capté. Alors que j'ai fait des tours rond-points, mais c'est une grande malade mentale. Mais oui, je connais la route. Virage à droite, virage à gauche. Là, il y a une plaque d'égout. Et là, on passe la plaque d'égout. Et là, il va au ciné. Et là, j'étais pas censée savoir. Et là, j'entends le crrr du portail. Il a même fait un tour du rond-point en face de station de bras. Et alors que j'ai reconnu le petit truc du pont. Non, mais toi, t'es une grande malade mentale. T'as dit le truc de Lisa in Paris, t'as même. Lisa in Monaco, t'as même pas compris. Trop nul. J'ai rien capté. Je pensais vraiment qu'on allait voir un scénario. Il me dit retourne-toi. Et là, je vois Lisa. Je réalisais pas vu que j'avais les yeux fermés. J'ai fait. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? C'est le cas de le dire. Non mais là je réalise pas, j'avais les yeux fermés, les yeux bandés, je comprends rien du tout là, ce qui se passe. Tu vas aller chercher ton cadeau, je suis allé chercher Lisa qui est en fait le cadeau ce matin. Lisa la pauvre, je l'ai prévenue hier quand même. Hier soir. Il était 21h. À 21h la pauvre, je lui ai envoyé un message en panique. En gros je t'explique, de base on devait y aller avec papa et maman à Monaco. Ouais. Mais c'était trop compliqué par rapport à la maison. Et du coup je me suis dit, qu'est-ce qui va faire trop plaisir à Léna? Et c'est pour ça qu'hier j'étais au bout de ma vie. J'étais en mode genre je connais personne qui peut me faire confiance et tout au dernier moment. Qui est sympa, avec qui tu t'entends hyper bien et tout. Et Lisa est arrivée, tu sais que tu m'as soulagée. Mais c'était vraiment la dernière. Soulagement. Lisa aussi, merci hein. Lisa. C'est fait au dernier moment et du coup voilà. Il était pas là pour du coup. Et non, c'est à cause de lui maintenant. Attendez, on a 2 heures de retard, mais Lisa, mais je suis désolée. Mais je réalise pas là. T'as des petites surprises qui t'attendent pendant la journée, je t'en dis pas plus. Oh mon dieu, c'est trop bien, mais on reste combien de temps du coup? On reste une nuit. Ça marche bien. Et du coup, j'ai d'autres surprises. Tu me connais, de toute façon, t'auras d'autres petites surprises toute la journée donc. Ok, ça marche. Contente? Ouais. Tu t'y attendais pas? Non, là, j'ai sourire aux lèvres. Vous voyez mes dents. On se retrouve plus tard. Bisous. Bisous. Tu dis bisous.
bisous Lisa. Bisous. Lisa elle est un peu gênée mais vous inquiétez pas, on va la mettre à l'aise. Moi je veux que vous découvriez Lisa. Je vais voler Lisa Alena, ça va être ma boss. C'est fini. C'est trop ma musique ça les gars. Donne-moi ton numéro. Dans le club et l'ambiance est au taquet. Les montées sont joies, qu'est n'a peur. Et on fait la course là. T'es trop les manières, non mais t'es fini ton pipo. Est-ce que j'ai signé pour faire de la garderie moi? Hein? On est refait de notre vie là. À Monaco, ils commencent les Starbucks pareil qu'aux États-Unis. Oh. Mais vous savez pas à quel point on est accro avec Léna, on en prenait combien par jour? 7. Non, mais au moins 7 par jour. Et allez, vas-y que ça bouffe. Bon, là, du coup, Alex il est parti. Il m'a donné son truc. Du coup, j'avais envie de pisser. On a trop envie de faire pipi. Là, mission. Je cherche une supérette pour acheter des boissons et tout pour ce soir parce que l'hôtel, bon, le minibar. Merci quoi. Et du coup, voilà, on va essayer de trouver. Bisous. Bon, là, les gars, on galère à trouver le supermarché. On va trop loin. Après, je me dis qu'il faut tout remonter. C'est ça le pire. Bon, du coup, là, on vient de faire les courses. On a pris du saucisson, des chips, des bonbons et tout. Et Alex, il vient pas nous chercher, on doit prendre un taxi. Il me reste que 5 euros. T'as des pièces ou pas? À mon avis, on aura assez. Et voilà, on va enfin se poser parce que. On est enfin arrivé à l'hôtel. Gentil, votre nana, elle appelle 10 minutes avant. Je lui dis, attends, je peux pas m'arrêter, donc faut que tu sois là. Elle était pas là. Il y avait la queue. Donc moi, je suis parti parce que du coup, on attendait quelqu'un. Ma vie, t'as une autre surprise là. Ouais, t'es prête ou pas? Non, je sais pas. Ça te stresse? Oui, beaucoup. Je vois les choses en grand. Il y a quelqu'un qui t'attend dedans et la personne sait que je filme, donc il n'y a pas de souci. Oh, arrête, tu me fais la malade. Bonjour. C'est toujours pas ce qu'il attend. Je vais faire maquiller. Oui, je t'ai pris la make-up artiste. Trop bien. Diana, enchantée. Diana, enchantée. Ouh. Oh là là. On va pouvoir faire la star. Ouais. T'attendais à ça? Pas du tout. Du coup, je vais être rapide ce soir. Bah Diana, tu peux te présenter, je me permets de te tutoyer. C'est Diana, je suis maquilleuse sur la Côte d'Azur. Faut savoir que c'est la seule que j'ai trouvée qui faisait des make-up incroyables, il faut le dire. Donc tout est prêt. Bon les gars, je ne vous l'ai pas dit, mais regardez qui j'ai retrouvé. Alors il vous dira peut-être rien, mais cette personne est celle qui se cache derrière toutes les miniatures. Donc c'est Steven qui fait les miniatures pour la chaîne depuis 6 ans je crois. Depuis 6 ans les gars, et on s'était pas vu quand même, alors qu'on habite à côté. Ouais, littéralement. C'est très très grave. Donc là je vous ai même pas filmé parce que j'étais dans le rush et que j'ai pas la caméra, je filme à l'iPhone. Je suis allé chercher le cadeau de Léna en rush, il y avait du monde, je devais attendre. C'était l'angoisse, bref j'ai très très hâte. Là on va arriver à l'hôtel, il y a deux surprises pour les filles. Let's go à l'hôtel parce qu'on est en retard, on devait y être il y a une heure. Non mais arrête de me filmer hein. Et je suis... Non, vous pouvez pas me voir là. On ressemble à un clown hein. Mais je t'ai... La maquilleuse elle est partie. Mais arrêtez. La maquilleuse elle est partie Bon, la maquilleuse était genre adorable, ouais. Mais genre vraiment un sucre. Non mais j'ai trop peur qu'elle regarde, qu'elle soit vexée. Si je l'ai choisie, c'est qu'elle faisait des bêtes de make-up. Bon là ça a pas marché, ça arrive. Bon c'est parti, là, Léna a une autre surprise. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. 3, 2, 1, vas-y rentre. Oh mon dieu. Oh là là. C'est magnifique. J'ai une chambre de princesse. Et Lisa et Folo qui t'ont organisé tout ça. Oui, ils ont pas oublié du coup. Bah non. Ah, mais je pensais qu'ils avaient oublié. Mais c'est trop beau. Bah, tu vas... Le clown vous dit merci. L'acrobate vous dit merci. Regarde. C'est trop beau. Oh, j'adore. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'avoir une chambre d'hôtel avec un truc comme ça. Ah bah voilà, ils ont réalisé ton rêve. Enfin, sans faute. Évidemment, il y a de la boue. C'est quoi? Des autres fleurs, des fleurs, un petit paquet. Quoi? Ah, chelou. Bah oui. Oh, c'est bien. Sympa l'excitation, j'adore. Non, mais je découvre. 1, 2, 3. Ma vie, t'es vraiment le meilleur. Merci, ma vie. C'est celui que je voulais. Oh là là, il est trop beau. Il est très discret. Couleur. Rose gold. Vous me mettez. Merci. On dirait vraiment une accro. Arrête. Il est bien fait et tout. Ça se voyait qu'elle était passionnée. Make-up, il est beau, mais sur moi, c'est horrible. Merci. Attends, je vais regarder dans la glace. Mon dieu, mais il est trop beau. Oh, je kiffe. Mais ma vie, déjà, je t'ai tachée là. Oh, c'est pas grave, t'as le droit de me tacher. Merci, ma vie. Bon les gars, du coup j'ai arrangé mon maquillage. Du coup j'ai mes petites robes comme ça avec des talons. Voilà, j'ai pas de veste par contre. Ma chambre magnifique, mon cadeau j'aime trop. Merci encore ma vie. Bref, du coup là on y va parce qu'on a encore du retard. Il est 30 et on avait rendez-vous à 30. Voilà, super. Non mais juste, je tiens à préciser qu'il est 19h40 et qu'elle est so too much. You wish you never ever met her at all. You wish you never ever met her.
On est au resto, à peine arrivé. J'en peux plus de toi. Moi j'en veux. Je te les laisse. La meuf elle pense qu'à faire son sandwich. Alors elle fait que manger, genre elle s'arrête plus. T'inquiète pas, on le voit. Léna, mais un peu de tenue, non, s'il te plaît, Léna. Elle sauce, quoi, la tuche, quoi. Léna, non, doucement. Léna, tu me saoules. Léna qui fait rencontre avec Steven. Oui, on parle. On se découvre. C'est la première fois qu'ils se voient. Ouais, ouais, en 6 ans. Du coup, quand je vois, tu me connaissais quand t'as rencontré Alex? Non, mais après, la vidéo de Jelly Belly là, je crois. Enfin, la vidéo dégustation de la première vidéo. Ou Lucas Roubaix aussi. Ça, tu l'as vu. Ouais, en plus, je parlais d'Antoine Griezmann, là. Je sais pas, je me rappelle. Moi, je me rappelle. Les gars, du coup, on va tester l'hélium. Oh, ça marche trop bien, c'est génial. Coucou les gens, oh mon dieu. Ah, si, là, ça devrait bien marcher. Ma voix, on dirait un chickman. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ma voix. Oh, ouais. J'ai avalé tout le ballon, tu sais. Trop marrant. Ah ouais, ça marche à donf les gars. Attends, sur la nounou là. Et oh. Stop, stop, stop. C'est de l'hélium. Des stress, hein. Je fais la voix avec l'hélium. Voilà. Assure bien ma vie. Encore, 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 encore. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous êtes chaud ce soir. Vous êtes fatigués. On est pas fatigués. C'est mardi. Allez, c'est mardi, on refait un tour. Best anniversaire, je t'aime trop ma vie. Tu sais, dans les cadeaux, je montre pas trop ma joie, mais je suis tellement excitée. Du coup, je suis trop contente ma vie, merci. C'est trop perché, Léna, j'en veux plus de toi. Je fais la rencontre de Steven, c'est que je l'aime trop. C'est vraiment dans notre duo. Steven aussi, depuis le parti, il est aussi. C'est le sang de la vie. Arrête un peu de manger. Les gars, je suis trop contente. Mission réussie, les gars. Les gars, du coup, on va faire un haul de ce qu'on a acheté. Des petits saucissons, ils me faisaient trop envie. Bonbons. Voilà. Ouais. Ça avait trop envie. T'as déjà goûté? Ouais, trop bon. C'est trop bon à skip. Des bonbons, Léna. C'est mes bonbons préférés. T'aimes bien? J'adore. C'est les meilleurs. Des Hershey's. Des Hershey's. Hershey's. Il y a pas de cas où tu vois un cas déjà. Et des Red Bull parce que pas envie de dormir. Ladies and gentlemen, put your fucking hands up. Hey. Les gars, j'ai très envie de faire des bêtises. Il y en a des gros. Mais go avec la chaussure sur la tête de Léna. Oh. J'ai des talons destructibles. C'est bon, t'as passé une bête de journée, on peut quand même te visiter un peu à la fin. Léna, elle est mauvaise idée. Quoi, vous étiez en train de faire un Bravo Léna. Mais t'es vraiment... Bon, du coup, je répare ma connerie, j'adore. Et moi, au lieu de me filmer, non? Bah, si, je te filme. Oui, je veux plus aucun bout de verre dans ma chambre. Pardon? 12 seconds later. Ah mais que j'ai même la dresse l'hôtel. Mais c'est ça d'une autre femme, ouais. Je ne suis pas un loser, lover, love. Mes affaires. Si bon, c'est Tico. C'est pas les codes, nous a du péno, comme non, non. La jam, du pauvre. Ton méca sur nous, ouais. Arrête, ta belle. Bénis ta chaîne. Ta gueule, toi. Et si tu veux te faire, j'ai récupéré Rabbit. Lisa, t'es mon idole. Partenaire particulier, cher partenaire particulier,
Wow. Rien sûr. J'allais dire. Mais non, chaleur.